Et je pense qu'en fait, le Slovène avait gardé un petit peu sous le coude. Il va peut-être tout mettre, tout son gros programme pour la finale. Le Kazakh, lui, va pas faire semblant. C'est le Kazakh qui débute. Allez, c'est parti. Premier lâcher de barre qui brille. Ça passe. Alerte complet, sauter, rattraper en quelques sous. Deuxième passage. Sortie. Wesh. Ah, le petit sursaut. Joli mouvement tout de même de la part de Yernar Yerimbetov. Mais ce petit sursaut pourrait lui coûter cher. Puisqu'il y a derrière Alias Pegan. Qui s'élance, c'est parti pour le Slovène. On va voir s'il va mettre sa combinaison en lâcher ou bien s'il va assurer. Non, il part, repart en catch-off tendu, catch-off écart. Egginger, pour l'instant on reste sur les mêmes combinaisons. Voilà, bien il restera là, il assure. Ça passe. Sorti en triple salto, c'est là qu'il doit faire la différence. Allez, 1, 2, 3. Ouais. Oh ben oui. Sans problème. Petit sursaut sur la fin. Regardez, ouais. Regardez quand il remonte. Là, il tient et puis après, il part sur une jambe. On ne le voit pas. Le verdict est la victoire d'Alias Pegan, 9650. Merci Laurent. Avec plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles images de gymnastique sur l'antenne de Sport Plus. Bye bye, 9650 pour Pegan, 9625 pour Yerimbetov.